Il y a des raisons d'espérer, et ces raisons d'espérer, j'en sais bien, et François-Xavier Bellamy nous les donne, chacun à leur manière, mais en nourrissant la même perspective. D'un côté, le jeune philosophe talentueux, qui s'attaque au choc des incultures, et de l'autre, Jean Sévilla, journaliste et historien, qui combat la pensée unique et la réécriture de l'histoire depuis plus de 20 ans. En fait, la crise de la transmission, c'est une crise de l'identité. Et aujourd'hui, ne sachant plus d'où ils viennent, les hommes ne savent plus qui ils sont et où ils vont. Alors comment, dans ces conditions, reconstruire et reconstituer l'unité de notre pays, la France, et la liberté de ceux qui y vivent? C'est à cette réflexion passionnante que nous invitent nos deux invités, qui sont réunis pour la première fois ce soir sur la scène du Théâtre Montpensier et à qui nous voulons adresser de très vifs remerciements. Très belle soirée à tous. Je suis ravi d'animer ce débat. On va commencer très rapidement, comme on a l'habitude maintenant de le faire, par un peu présenter nos deux invités. Et puis ensuite, nous allons établir un peu cette discussion en trois plans. D'abord, parler un peu des origines et ce qui peut expliquer la crise de la transmission à la lumière des ouvrages de Jean Sévilla et de François-Xavier Bellamy. Ensuite, quelles sont les conséquences finalement de cette perte des repères qu'on constate aujourd'hui? Et enfin, comment, on va terminer sur une note évidemment plus positive, comment transmettre l'héritage et faire aimer l'histoire de France? Alors, je vais commencer par vous, Jean Sévilla, privilège de la sagesse. On vous présente comme un essayiste, un journaliste, un écrivain ou encore un historien. Quel est le qualificatif qui vous correspond le mieux finalement? Paul Valéry, l'écrivain Paul Valéry, disait qu'il était spécialiste en généralité. Je trouve que c'est une belle définition. Moi, je suis aussi un spécialiste en généralité. Je suis journaliste de métier, historien de vocation. Le journalisme, c'est une façon d'aborder le présent selon la même méthode que l'historien. Et l'historien travaille sur le passé comme travaille un journaliste, en remontant les sources, en cherchant les témoignages. C'est le même travail. Donc je suis un historien journaliste. Il y a des historiens universitaires, ça n'est pas mon cas. Maintenant, il y a toujours eu, par tradition dans l'histoire française, une tradition de l'histoire non universitaire qui a été illustrée par un certain nombre de grands noms. Je me reconnais largement dans le patronage de Jacques Pinville, qui a été un grand historien journaliste de l'entre-deux-guerres et un esprit extrêmement lucide en son temps sur les menaces qui planaient sur le pays. Et donc, je n'ai pas le quart de son talent, mais enfin, ce sont des pas dans lesquels j'aimerais m'inscrire. Lorsque vous avez publié votre premier ouvrage politique, qui vous a d'ailleurs fait connaître du grand public, notamment dans le débat des idées, qui est le terrorisme intellectuel, dans lequel vous analysiez les courants idéologiques, les évolutions sociétales qui avaient secoué la France depuis 50 ans. Finalement, à l'époque, vous vous revendiquiez vraiment comme journaliste parce que vous aviez analysé les courants d'opinion, vous étiez inspiré des coupures de presse. Et effectivement, il y avait vraiment, on sentait un travail de journaliste. Finalement, 20 ans plus tard, à la lumière de votre œuvre, finalement, vous étiez effectivement déjà historien quand vous avez analysé le terrorisme intellectuel qui frappait les élites françaises. Rejoignant ce que je disais précédemment, un journaliste, c'est un historien du temps présent. Pour écrire le terrorisme intellectuel, qui est un livre paru il y a 16 ans, j'avais travaillé comme journaliste, mais aussi comme historien, puisque j'ai ressorti des coupures de presse, mais enfin j'ai fait c'est un livre qui représente 2 ans de travail, où j'ai fait des recherches systématiques dans la presse française, dans les revues d'idées sur les sujets abordés dans ce livre, des années 50 aux années 2000, enfin, à la fin des années 90, puisque c'était un livre sur la manipulation des esprits au nom de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, elle s'exprime évidemment par des moyens qui sont universitaires, qui sont aujourd'hui, qui sont télévisés, etc., médiatiques, mais aussi donc par la presse écrite, qui est quand même un conservatoire de ce qui se passe dans un pays. C'est une mémoire, la presse écrite, et donc
C'est un travail long, fastidieux, et tous les chercheurs, historiens qui travaillent sur la période moderne, depuis la presse écrite, c'est-à-dire en gros depuis le XVIIIe siècle, savent que c'est un instrument de compréhension du passé extrêmement, extrêmement important. Alors je vais me tourner vers vous, François-Xavier Bellamy. Vous êtes finalement, en tout cas en France, plus connu sous l'angle du philosophe que sous celui de la politique, mais vous êtes surtout, avant tout, un enseignant. Et des hommes enseignants, il faut bien le reconnaître, il y en a peu dans les milieux conservateurs. Qu'est-ce qui vous a conduit à embraser cette noble profession au détriment d'une peut-être belle carrière en entreprise qui aurait été certainement plus lucrative pour vous ? Et avant tout d'abord, merci infiniment pour votre invitation et pour cette belle soirée que vous nous donnez l'occasion de partager. C'est surtout une grande chance pour moi de pouvoir échanger avec Jean Sévilla, dont je suis déjà, auquel je suis déjà redevable. C'est vrai que nous sommes ici réunis à plusieurs générations et le fait que vous soyez là en témoigne aussi. Et je me rappelle encore de l'événement qu'a été la publication, par exemple, d'Historiquement Correct, en tous les cas pour ce qui me concerne. C'est vrai que ce sont des ouvrages qui nous ont appris à retrouver le sens de notre propre histoire et donc aussi de la transmission. Et c'est ce sens de la transmission qui m'a touché. Je dois dire, après tout, souvent nos vies sont faites de rencontres. Nous méritons toutes nos rencontres, disait Mauriac dans une phrase qui est citée dans un livre que nous sommes nombreux à connaître. Cette rencontre décisive a été pour moi celle d'un professeur de philosophie de terminale qui était visiblement heureux de son métier, qui était passionné de la culture qu'il transmettait. Et c'est cette passion qui m'a donné envie de le suivre à mon tour, ne serait-ce que pour rendre un peu de ce que j'avais reçu de ma famille, de l'école dans laquelle j'avais grandi, de ce que j'avais reçu sans encore me douter de ce que d'autres que moi, dans le même milieu que moi, dans le même pays que moi, en tous les cas, pouvaient être déshérités de ce que j'avais pu recevoir. C'est vraiment, je crois, le sens de cette passion de la transmission qui m'a conduit à enseigner. Et je dois dire que c'est vrai que c'est une chose étonnante pour moi que dans ce milieu conservateur que vous évoquiez à l'instant, il y ait si peu de transmetteurs. Après tout, il n'y a pas de métier plus conservateur que le métier d'enseignant. Enseigner consiste à conserver un héritage qui ne se conserve justement que quand il a été transmis. Bourdieu nous a appris à parler de la culture comme d'un capital culturel, mais la culture, contrairement à ce que pensait le marxisme de Pierre Bourdieu, la culture n'a absolument rien à voir avec un capital. Le propre d'un capital, c'est que plus vous le transmettez, plus il se divise. Plus vous le transmettez, plus il s'amenuise. Si vous transmettez votre capital dans une famille très nombreuse, la part qui revient à chaque enfant sera nécessairement moins grande que si vous le transmettez à un seul enfant. Et la meilleure façon de garder un capital intact, c'est de ne pas le transmettre. Eh bien, la culture procède exactement de la façon inverse. Et c'est le miracle qui va se reproduire encore ce soir, que si nous partageons ensemble une seule idée juste, vous allez tous repartir avec cette idée et que nous ne l'aurons pas perdue. Le propre de la culture, c'est que plus elle est transmise et plus elle est multipliée, que plus elle est transmise et plus elle est partagée, et plus elle s'augmente du fait même qu'elle est partagée. Mais la chose inverse vaut aussi que, précisément, quand elle n'est pas transmise, elle disparaît. Et si nous sommes vraiment conservateurs, dans le sens le plus fort du terme, si nous croyons qu'il y a dans notre héritage quelque chose à conserver, alors nous devrions être en même temps des transmetteurs. Je ne dis pas par là que, évidemment, les métiers de l'entreprise ne soient pas importants, ne soient pas même décisifs. Quand je tourne la clé de contact dans ma voiture tous les matins, je bénis le ciel qu'il n'y ait pas dans le monde que des professeurs de philosophie. Heureusement qu'il y a aussi des gens qui savent faire des choses aussi utiles que de construire des voitures, de les vendre, ou bien toute autre chose encore plus utile parfois. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est très frappant de voir à quel point, dans un certain milieu, la vocation enseignante a été souvent massivement dissuadée, massivement découragée, et de voir à quel point, justement, peut-être, pour le dire de façon très simple, par exemple, dans notre ville, il est très frappant de voir combien nous sommes finalement assez peu nombreux à être enseignants. Versailles reçoit chaque jour des enseignants dans ces lycées qui viennent souvent d'autres communes. Et c'est vrai que peut-être dans cette pièce, dans cette salle, dans ce théâtre ce soir qui nous réunit autour de l'idée justement que notre héritage compte beaucoup, et il faudrait s'étonner parfois de ce que nous sommes peut-être trop peu nombreux à choisir cette vocation qui est pourtant magnifique. Alors peut-être qu'elle n'est pas très lucrative, c'est vrai. Enfin, elle est tellement merveilleuse, on reparlera tout à l'heure, puisque vous l'avez annoncé, de l'activité même de transmettre. Et quand on rencontre la soif des élèves, la soif des étudiants, il n'est pas le jour qui ne se passe sans que je me demande comment ça se fait que je sois payé pour vivre ça. Normalement, c'est moi qui devrais payer pour être prof, tellement c'est un métier merveilleux. Je me retourne vers vous, cher Jean Sévilla. Donc, nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage qui se nomme « Écrit historique de combat ».
cet ouvrage, vous avez rassemblé vos trois grands essais qui ont marqué, je peux le dire, la vie intellectuelle française. Le terrorisme intellectuel que vous aviez publié en 2000, historiquement correct en 2003, moralement correct en 2007. Alors, je me suis posé la question, pourquoi avez-vous choisi ce titre ? J'espère que vous ne considérez tout de même pas que votre œuvre appartient déjà au passé. Elle n'appartient pas au passé, mais les livres que j'écris appartiennent peut-être un peu à l'histoire de la pensée en réaction à l'idéologie dominante. Alors, cet écrit « Historie de combat » n'est pas un terme qui reçoit le passé, c'est un terme qui désigne, même si le terrorisme intellectuel est un livre dont les derniers chapitres concernent l'actualité immédiate, c'est un livre d'histoire, mais d'histoire, mais c'est un livre d'histoire, mais d'histoire immédiate. Alors pourquoi écrit « Historique de combat » ? Parce que nous sommes dans une société où l'histoire est devenue un combat. L'histoire est devenue un combat, pourquoi ? Parce que l'histoire qui était traditionnellement en France une discipline reine, qui reste à l'université une discipline importante, mais qui était culturellement et politiquement une discipline importante, a subi des transformations majeures schématiquement entre les années 1960 et les années 1980. Je n'ai pas le temps de développer trop ça, ça sera un petit peu technique et peut-être un peu ennuyeux pour nos amis qui nous écoutent, mais enfin, traditionnellement en France, on avait un discours qui concernait notamment l'histoire de France, qu'on a appelé le roman national ou le récit national, qui était un récit un peu mythifié et élaboré à la fin de la Troisième République. La Troisième République était un régime qui était émergent, qui voulait imposer sa légitimité, a décidé, c'était en schématiquement après la guerre de 1870 et entre la guerre de 70 et début du XXe siècle, d'élaborer, de faire de l'histoire un instrument, je dirais, de socialisation du citoyen républicain tel qu'il le concevait. Et liant entre elles, a décidé, pour s'inscrire une légitimité, tout en étant alors que cette république était plutôt anticléricale, même assez anticléricale, et même très anticléricale, décidé de d'écrire au fond un discours sur l'histoire de France qui était un discours qui allait lier toute l'histoire de France. En la reprenant depuis les ancêtres, les origines, depuis Vercingétorix et Clovis, même si c'était la France avant la France, jusqu'au 19e siècle, 20e siècle, il s'agissait de lier les événements les uns aux autres. Alors c'était plein de préjugés, puisque c'était une école extrêmement, une vision très républicaine. Le monde d'avant 1789 était plutôt décrié par rapport au monde d'après 1789, mais il y avait quand même une logique qui consistait à dire il y a une histoire de France, d'un ensemble qui est la communauté nationale, qui a commencé un jour et qui se perpétue jusqu'à nos jours. Il y avait un discours qui voulait, dont le but civique, politique au fond, était affiché, qui était de faire des enfants qui allaient à l'école, qui étaient français, d'en faire des petits français connaissant leur histoire de France. Sous un certain nombre d'évolutions liées à des évolutions internes au sein de l'histoire, dans le monde des années 60, ce discours a été remisé au grenier des antiquités. C'est l'époque où le marxisme triomphe dans le domaine de l'histoire, où le structuralisme triomphe dans le domaine de l'histoire. Et on ne veut plus faire de l'histoire linéaire, de l'histoire comme un récit, on casse la chronologie, donc, et puis on fait l'histoire thématique, on fait l'histoire des structures, l'histoire des relations économiques, l'histoire des... Ce ne sont plus les grands hommes qui mènent l'histoire, ce ne sont plus... Il n'y a plus une communauté globale, nationale, qui est vue à travers le temps et à travers son passé, ce sont une multiplicité d'associations, de structures qui composent le tissu social. Ça, c'est la grande révolution des années 60 qui va donner l'histoire qui est encore là, qui est une histoire non chronologisée, alors que la chronologie est la base de la connaissance de l'histoire, cause, fait, conséquence, c'est la base de l'histoire, et puis l'histoire thématique, on étudie la culture de la pomme de terre en faisant des comparaisons entre le monde médiéval et la Chine du 18e siècle, je dis n'importe quoi, je caricature un peu, mais c'est un peu ça, ce qui est que les enfants qui n'ont pas de connaissances historiques, c'est un jeu auquel on peut jouer avec des agrégatifs d'histoire, avec des docteurs en histoire, mais les enfants qui n'ont pas les bases sont absolument perdus aujourd'hui en histoire. Et puis il s'est ajouté
à cette révolution des années 60-70, une deuxième révolution qu'on a vue arriver dans les années 80-90, qui est plus récente, mais qui est quand même aussi très importante, c'est que sous l'effet des flux migratoires extrêmement importants traversés par la société française depuis les années 60, ce n'est un secret pour personne, qu'une partie de la population qui compose ce pays a changé de visage. Or, au nom du multiculturalisme, au nom du différentialisme, on a posé comme principe qu'il fallait que les enfants dont les ancêtres n'étaient pas français de souche, expression d'ailleurs interdite, ne soient pas culpabilisés, ils ne se sentent pas déroutés par cette histoire qui était... Et donc on s'est mis à faire une histoire encore plus large, qui non seulement depuis l'histoire de France où on a avancé, mais qui est une histoire du monde en quelque sorte, un web history, c'est même un discours qui existe dans l'historiographie anglo-saxonne, et puis qui est volontairement, qui pose comme principe quasiment philosophique, de ne pas émettre de jugement de valeur sur les civilisations, les cultures, toutes les cultures selon. La France de 2014 a absolument dans l'apport dans l'histoire, dans l'apport, son apport à l'humanité est du même ordre que la civilisation du Congo au 8e siècle. C'est une sorte de prémisse philosophique posée par la nouvelle histoire. Et donc sous l'effet de ces deux évolutions, on a une sorte aujourd'hui donc de déconstruction de l'histoire, qui fait que non seulement on ne fait plus l'histoire de France, on ne fait plus l'histoire chronologique, on fait l'histoire thématique, mais en plus on fait l'histoire qui est une histoire totalement relativiste, qui interdit aux enfants d'avoir des propres repères dans la civilisation qui est normalement leur, dans la culture qui est la leur, dans le pays qui est le leur, qui est la France, puisqu'on s'interdit, l'histoire s'interdit, c'est jamais dit, c'est jamais explicite, c'est une philosophie qui est pas au fond, qui est implicite, mais c'est comme c'est ça qui est derrière, c'est-à-dire qu'on n'assigne pas à l'histoire, contrairement au projet républicain de la Troisième République, dont je ne suis pas forcément un dévot ni de la Troisième République ni du projet républicain en soi, mais il y a vraiment une cohérence politique. Aujourd'hui, on a passé cette cohérence. Et donc, j'étais un peu long, pardonnez-moi, mais dans mes écrits historiques, et moi, publiant mes livres, mes essais à partir de la fin des années 90, j'arrive dans le monde des idées avec cette nouvelle doxa, cette vision idéologique était totalement dominante, aussi bien sur le plan médiatique que dans le domaine de l'éducation nationale, etc. Et donc, mes écrits historiques de combat, pour répondre à votre question préalable, se veulent une réponse globale à ce phénomène qui est un phénomène qui englobe le passé, mais qui est encore aussi présent, puisque c'est une vision que notre société, notre monde culturel en tout cas, veut imposer sur le regard que nous avons sur les gens qui vivent ensemble sur le territoire français. Justement, le monde de l'enseignement a été mis en accusation. Alors, vous avez décrit très bien dans votre livre Les Déshérités le fait que la remise en cause de la transmission du savoir, finalement, avec pour cause simplement Descartes qui avait jugé que c'était finalement la transmission d'une érudition qui était inutile. Bourdieu qui considérait que c'était une injustice faite aux populations défavorisées. Et donc au final, on a atteint une espèce de conception marxiste de la transmission. Voilà, donc ma question aujourd'hui, c'est finalement, on constate tous que l'école subit un naufrage considérable. Pensez-vous qu'on arrive au bout Manifestement, récemment, il y a eu encore une réforme qui a beaucoup été critiquée, notamment par vous. Vous avez d'ailleurs récemment déclaré que les manuels scolaires de cette rentrée étaient une véritable tragédie. Alors, pouvez-vous vous en expliquer de façon un peu plus large, d'ailleurs, n'hésitez pas un peu à parler de ces aspects-là un peu plus longuement, comme d'ailleurs l'a fait très bien Jean-Sébien. Pas de critique du tout. Hein. Mais là, je sens qu'il cherche à... En posant la question de savoir si la faute revient aux journalistes ou aux enseignants, je me demande si vous n'avez pas voulu organiser une joute entre vos invités ce soir, pour mettre un peu de suspense. Non, pour ma part, je crois qu'effectivement, nous vivons une crise de société, et qu'en quelque sorte, nous aurions tort de nous cantonner à chercher des boucs émissaires. Et je crois qu'il y a toujours quelque chose, une forme de facilité intellectuelle dans le fait de désigner quelqu'un qui serait responsable de la totalité de nos maux. Quand c'est la société tout entière qui, à ce point, se trouve traversée par la crise structurelle que nous connaissons aujourd'hui, alors il est nécessaire que nous nous interrogions sur notre propre responsabilité dans cette crise de la société. Et pour reprendre ce que vous disiez, Jean Sévillia, à l'instant,
vous avez tout à fait raison de dire que le monde des médias, que le monde de l'enseignement sont marqués par le caractère extraordinairement dominant d'une tendance politique sur une autre. Mais dans ce cas, je nous renvoie la question. Pour ma part, évidemment, je me reconnais plutôt dans une tradition politique, intellectuelle, philosophique que la droite française incarne. Et dans ce cas, la question qui se pose à nous, si nous considérons que les enseignants sont trop nombreux à être excessivement de gauche, la question est, où sont les enseignants de droite? Et pourquoi, encore une fois, pour reprendre la question que nous nous posions à l'instant, pourquoi les enfants du milieu social, politique, qui appartenaient à cette filiation historique, ne sont pas allés enseigner? Pour le journalisme, si vous voulez, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est trop difficile d'y rentrer maintenant que la gauche a acquis une situation quasi monopolistique. En un sens, ce n'est pas faux. Quand nous sommes invités sur un plateau de télévision ou bien dans une radio, par exemple, je ne sais pas, pendant l'année du débat sur la loi Taubira, ça m'a beaucoup marqué. Quand on est invité dans un média, avant même d'avoir serré la main de qui que ce soit sur le plateau, vous savez ce que pense tout le monde. Et vous savez, comme par hasard, qu'il pense le contraire de vous, tous. Y compris celui qui répare les ampoules au fond de la salle et qui est intermittent du spectacle. Mais qui dans nos familles est devenu journaliste reporter d'image? Qui dans nos familles est devenu animateur de chaînes de télévision ou bien producteur de séries de grande diffusion? Le combat culturel est un combat décisif. Et en un sens, si le combat culturel semble avoir été perdu, c'est peut-être tout simplement parce que ceux qui regrettent de l'avoir perdu avaient déserté le terrain avant d'avoir livré bataille. Et je ne dis pas par là que nous soyons dans une vision purement antagonique de la société, et c'est même en quelque sorte notre désir et notre fierté que de servir une vérité qui n'appartient pas à un camp. Nous ne luttons pas pour un camp, nous ne défendons pas nos convictions. Mais si nous voulons servir la vérité, il faut aller dans tous les lieux où la vérité est servie, dans tous les lieux de la parole, dans les métiers de la parole, et ne pas nous enfermer dans des tours d'ivoire, des refuges qui consisteraient à déserter ces lieux d'engagement où se trouve sans doute le seul véritable pouvoir. Parce qu'au fond, la question que vous posez, c'est où est le pouvoir dans l'histoire? Qu'est-ce qui change l'histoire? Qu'est-ce qui fait l'histoire? Je suis très frappé de voir que bien souvent, nous accordons une importance démesurée à la politique, comme si la politique changeait le monde. Mais au risque de vous décevoir, je dirais que la politique, me semble-t-il, et l'historien en parlerait bien mieux que moi, évidemment, mais il me semble que la politique ne change pas le monde, que la politique n'a jamais changé le monde. Ce sont les idées qui changent le monde. C'est la culture qui transforme le monde. La culture au sens de tout ce qui fait le regard que les hommes portent sur le monde. Alors pour répondre à la question que vous posiez, oui, je crois que nous vivons une crise profonde de la société, et si la culture fait le monde dans lequel nous vivons, l'absence de transmission de la culture défait le monde dans lequel nous sommes nés. Et de ce point de vue-là, effectivement, cette citation de Camus que vous avez choisie comme titre de votre préface, elle paraît incarner le défi auquel nous sommes confrontés, empêcher que le monde se défasse, et peut-être même déjà, pour les plus jeunes d'entre nous, tenter de refaire ce qui a été défait. Et c'est peut-être ce qui compte le plus, et encore une fois, c'est précisément pour cela que la culture est décisive et qu'elle est prioritaire. De fait, nous avons vécu une forme de crise majeure dans notre rapport à la culture, que vous évoquiez à l'instant en parlant, par exemple, de l'immigration. Mais sur cette question précise, je crois que la situation de la population française et le fait qu'elle s'est ouverte à des peuples d'origine nouvelle a été plutôt un prétexte supplémentaire à notre propre détestation de l'héritage, à notre refus de l'héritage, plutôt que la cause réelle qui nous a fait rompre avec la transmission de l'héritage. En fait, j'ai eu la chance d'enseigner dans des établissements scolaires assez variés et de commencer notamment mon métier dans des établissements qu'on dit défavorisés, dans des quartiers sensibles, en zone urbaine sensible, dans des quartiers où les élèves sont quasi en totalité issus d'origine immigrée. Eh bien, je peux dire que je n'ai jamais rencontré un seul élève qui m'ait demandé de ne pas lui enseigner ce que j'avais à donner. Je n'ai jamais rencontré un seul élève qui m'ait fait l'objection que la philosophie que je transmettais était trop européano-centrée. Jamais. Cette objection, je l'ai entendue sur France Culture, quand j'ai été faire des débats avec des gens qui étaient, pour le coup, de parfaits français de souche, et qui m'ont dit « Arrêtez de nous parler de Platon et d'Aristote, vous devriez parler aussi de philosophie arabe et de philosophie chinoise. » Je trouve ça merveilleux, évidemment, je suppose qu'il y a une philosophie chinoise et une philosophie arabe absolument passionnante, et c'est tout à fait vrai, d'ailleurs, je la connais un tout petit peu. Mais enfin, je suis européen et je transmets ce que j'ai reçu. Et je pense d'ailleurs que transmettre ce que j'ai reçu est la meilleure façon pour les élèves que je reçois de s'ouvrir ensuite à d'autres traditions culturelles, à d'autres langues, à d'autres conceptions du monde. C'est ce dont nos collègues de langue témoignent ordinairement.
Quel est le premier obstacle qui s'interpose entre l'apprentissage des langues étrangères et nos élèves d'aujourd'hui? Nos élèves, aujourd'hui, en France, ont beaucoup de mal à apprendre les langues étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur propre langue. Quand vous ne connaissez pas la grammaire de la langue française, la syntaxe de la langue française, comment voulez-vous apprendre la grammaire et la syntaxe d'une autre langue vivante que la vôtre? Quand vous avez très peu de vocabulaire dans votre propre langue, comment voulez-vous apprendre le vocabulaire d'une autre langue? La clé pour s'ouvrir au monde, c'est de recevoir une culture, et une culture particulière. Et dans le petit livre que j'ai consacré à cette question, très, très humblement, j'ai tenté de montrer que, précisément, le grand mystère de nos vies que nous avons tous oublié collectivement, encore une fois, c'est ce mystère décisif qu'on pourrait appeler le mystère de la médiation, qui veut que, de façon très mystérieuse, vraiment, que l'homme n'est pas immédiatement lui-même, que l'homme n'est pas immédiatement humain, que l'homme n'est pas immédiatement accompli, que les facultés qui nous sont les plus naturelles, par exemple la faculté de penser, la faculté de parler, la faculté de s'ouvrir aux autres, d'inventer des choses nouvelles, d'imaginer, la capacité d'aimer, toutes ces facultés-là, pour être accomplies en nous, supposent de recevoir d'abord ce trésor qui est une culture, et une culture particulière. Bien sûr, comme êtres humains, nous sommes appelés à l'universel. Bien sûr, comme êtres humains, nous sommes appelés à rejoindre l'universel. L'être humain n'est pas précisément un être de particularité. Mais pour pouvoir atteindre l'universel, il faut toujours être passé par une culture particulière. Et ce qui nous rend capable de nous intéresser demain à une autre langue que la nôtre, c'est le fait que nous serons déjà capables de parler notre propre langue. Et ce qui nous rendra capable de comprendre d'autres aires culturelles que la nôtre, d'autres histoires que la nôtre, par exemple, c'est que nous aurons été suffisamment capables de recevoir notre propre histoire, notre propre culture, notre propre tradition. Or, c'est exactement cela qui est en question aujourd'hui. Et dans ce que vous décriviez à l'instant, Jean Sévillia, eh bien, il y a quelque chose comme le symptôme de cette crise que nous vivons, de façon très profonde, que nous avons regardé notre culture particulière comme quelque chose qui s'opposait à l'ouverture à d'autres hommes issus d'autres cultures que la nôtre. Quelle énorme aberration! Nous avons regardé la culture qui nous venait de notre histoire comme un obstacle qui s'interposait entre nous et notre avenir. Nous avons cru précisément dans une espèce de mythe de l'immédiateté, de fascination de l'immédiateté, qui est pour l'éducation nationale incarnée par l'utopie numérique, le fait de mettre partout des iPads, des tablettes, des projecteurs de toutes sortes pour remplacer la relation d'intermédiation que propose le savoir d'un enseignant. Grâce aux tablettes que vous avez vues, peut-être que le président de la République a annoncé que nous allons offrir des tablettes à tous nos élèves de 5e, enfin vous allez offrir des tablettes à tous nos élèves de 5e, bien sûr. Pourquoi allons-nous leur offrir des tablettes? Eh bien, parce que précisément, avec les tablettes que les élèves vont recevoir, ils vont pouvoir, croyons-nous, accéder au savoir sans passer par un médiateur. Accéder justement à cette espèce d'universalité du savoir mondialisé que nous croyons trouver dans le village global du numérique. Quelle incroyable aberration! En fait, la vérité, c'est que nous ne pouvons accéder à l'universel qu'en passant par la médiation d'une culture particulière, en devenant les héritiers d'une histoire particulière. Et hériter d'une histoire particulière, aimer une histoire particulière ne suppose pas d'être chauvin. Aimer une histoire particulière ne suppose pas d'affirmer que notre pays est le meilleur pays du monde. Aimer une histoire particulière ne suppose pas d'affirmer que notre pays est sans défaut. Nous aimons tous ici, par exemple, nous aimons tous nos parents particuliers. Nous les aimons d'une façon absolument unique, d'une façon particulière. Alors pas parce qu'ils sont parfaits, hein. Et aimer ses parents ne suppose pas d'affirmer que ce sont les meilleurs parents du monde. D'ailleurs, plus vous aimez vos parents, plus vous les connaissez, plus vous connaissez sans doute quelque chose de leurs défauts, de leurs limites, de leurs faiblesses, de leurs imperfections. Et pourtant, vous les aimez d'une façon absolument unique parce que c'est par eux qu'est passée votre propre vie. Eh bien, on devrait pouvoir aimer son histoire et sa culture exactement de cette façon-là. Et c'est ce qu'une génération entière a étonnamment oublié. Nous avons pensé que pour pouvoir construire notre propre vie, il fallait oublier notre histoire. Et nous avons pensé que pour pouvoir aimer tous les parents du monde, il fallait détester nos parents. La vérité, c'est que si vous aimez vos parents, ça ne veut pas dire que vous méprisez les autres parents du monde. Au contraire, c'est peut-être en aimant votre mère, à vous, la vôtre, que vous pouvez être éveillé à l'émerveillement devant ce que représente l'expérience universelle de ce qu'est la maternité. Et donc, vous parliez tout à l'heure, Nicolas rappelait tout à l'heure cette dernière et spectaculaire occurrence de cette espèce de haine de soi totalement délirante qui a fait qu'un éditorialiste sur un plateau de télévision à une heure de grande écoute a été capable de dire que pour pouvoir construire notre histoire, il était temps de raser le château de Versailles. Comme si notre passé était un obstacle à la construction de l'avenir. Quelle folie absolue! Eh bien, je crois que oui, nous sommes arrivés peut-être pas au bout de cette folie absolue, parce que malheureusement, l'expérience politique nous confirme que le drame absolu dans l'histoire, c'est qu'on croit être arrivé au fond et qu'en fait, il n'y a pas de fond. Les civilisations sont mortelles et nous pouvons toujours aller plus loin dans la folie de la déconstruction. Les civilisations sont mortelles et rien ne nous obligera jamais, dans le seul cours de l'histoire,
à changer nos décisions. Mais nous sommes peut-être arrivés à un point où la crise est suffisamment grande pour que nos contemporains puissent prendre conscience de la nécessité d'une vraie bifurcation, d'un véritable changement de cap. Et cette prise de conscience ne s'opérera pas toute seule. D'où encore une fois le fait qu'il est nécessaire que chacun d'entre nous y contribue par le travail de la culture, par le travail de la parole, pour habiter les consciences de ceux que nous rencontrons, pour habiter peu à peu les consciences de tous nos contemporains, du sens de cette urgence absolue que constitue la réconciliation avec notre propre culture. Alors, à vrai dire, j'avais préparé un plan, mais je crois que je vais arrêter de suivre mon plan, parce que là, je suis totalement perdu. Hein. Je suis passionné parce que vous êtes l'un et l'autre, mais je suis paumé. Là, j'avoue que je vais essayer de rebondir. Moi, je suis un petit peu plus concret, mais évidemment, c'est important de comprendre ce que vous venez de dire. J'étais justement interpellé par cet aspect que vous avez évoqué sur finalement cette haine de soi et ce refus d'assumer notre héritage. Vous, Jean-Sévilla, vous aviez, en 2003, vous parliez justement de cet ouvrage historiquement correct, analysé cette maladie bien française de la mésestime de soi par tout simplement le fait que nous n'avions cessé pendant des années de regarder notre passé avec les lunettes du présent, ce qui fait que notre passé nous apparaissait tellement horrible que, au-delà même de ceux qui arrivaient à qui il fallait qu'on l'enseigne, on n'était même pas prêt à l'assumer. Je dirais que vous avez un peu moins parlé d'éducation nationale, mais c'est vrai que j'aurais aimé éventuellement qu'on en parle peut-être un peu plus là, c'est-à-dire, finalement, c'est vrai qu'il y a un coupable, l'éducation nationale est évidemment au centre, mais est-ce que quand même, malgré tout, il n'y a pas aussi un système médiatique qui est au-delà de l'éducation nationale, qui contribue encore aujourd'hui à maintenir cette espèce de pression idéologique dont les gens, comme vous le dites, veulent sortir mais n'y arrivent pas? Alors je vais répondre dans le sens de ce qu'a dit François. Je vais répondre à votre question, mais d'abord pour revenir sur... Ouais, je vais descendre la scène. Hein. Non, mais vous êtes très utile. Hein. J'abonde parfaitement dans le sens de François Vézéblani. Je veux dire, la question n'est pas de trouver des bons commissaires. Je trouve qu'en analyse historique, en analyse sociologique, en analyse d'histoire des idées, il y a quand même des facteurs explicatifs et il faut bien les dresser dans la société. Et je pense en effet que l'orientation massivement à gauche de l'éducation nationale en France pour des raisons historiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de la Troisième République, joue un rôle. L'orientation massivement à gauche du système médiatique qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui date des années 60, quand la 5e République gaulliste, à l'époque, a fait le choix, schématiquement, d'abandonner le monde de la culture et de l'information à la gauche. C'était la droite de l'époque a fait ce choix. Dans nous, on fait la politique, on fait l'économie, on fait des affaires, et au fond, les idées, ça ne sert pas à grand-chose. On laisse les intellectuels, dans les professeurs, faire leurs histoires. Le résultat, c'est qu'on l'a vu, c'est qu'on a vu mai 68, etc. C'est compliqué. Donc moi, j'ai inventé tout à fait dans le sens de François Xavier, la culture est centrale. Voilà. Mais la question de la responsabilité propre des acteurs sociaux qui contribuent à ce phénomène de désinformation est importante. Elle n'est pas la seule. Il est beaucoup plus intéressant de voir, moi je trouve qu'il nous permet de travailler, parce que ça nous permet de travailler tout ce soir, sur la question de notre responsabilité collective. Parce que ce sont, François Xavier l'a dit, mais je l'avais dit aussi, ce que je prends, moi je crois pour moi c'est fondamental, ces transformations que nous subissons sont vécues par toute la société et nous les véhiculons que nous voulions ou non. Même si nous croyons en réaction à ces transformations, en réalité nous sommes des agents plus ou moins complices, plus ou moins consentants, parfois pas consentants du tout, mais malgré tout, nous les véhiculons. Dans ma trilogie écrite Historique de combat, il y a un des livres... J'ai un des livres qui porte un titre qui lui a valu pas beaucoup de chance parce qu'il y a un mot qui ne plaît pas aux gens. Il y a un de mes trois livres qui s'appelle Moralement correct. Il est assez significatif que c'est un livre qui est celui des livres, on est entre amis donc on parle des choses concrètement, qui, je veux dire, au sens commercial du terme, c'est celui qui a eu le moins de succès. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot moral dedans. Or, les gens n'ont pas envie qu'on leur parle de morale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur fasse la morale. Or, celui qui s'appelle Moralement correct, je ne m'amuse pas à faire la morale aux gens, je n'ai pas de titre à cela, mais c'est une réflexion. Pour moi, c'est un livre assez important dans ce que j'ai écrit, auquel je tiens, parce qu'ici, je rejoins ce que disait François Xavier,
Il y a globalement quand même une grande transformation que nous avons vécue, une transformation culturelle qui s'est vécue par toute la société occidentale, pas seulement la société française, dans les années 60, c'est l'émergence, ou du moins l'affirmation de l'individu comme valeur suprême, comme valeur sociale suprême. Auparavant, on pensait que les sociétés étaient faites d'un certain nombre de communautés et classiquement la famille, dans la pensée traditionnelle, étant la base la plus, la cellule de base la plus forte de la société. À partir des années 60-70, toute la société occidentale, aussi bien les Amériques que toute l'Europe occidentale, communie dans cette idée, c'est que l'individu devient la moyenne de la valeur suprême. C'est moi-je. Mais alors, c'est une incidence tout à fait considérable, et ce qui fait que nous sommes tous plus ou moins concernés par ce phénomène, parce que cet individualisme a transformé profondément tous les rapports sociaux dans tous les domaines. Dans la vie familiale, moi-je, puisque c'est moi-je, puisque je suis l'individu, moi, la valeur suprême, je suis au-dessus de la famille, et si je veux refaire ma vie, je la fais quand je veux, et j'ai la vie que je veux, sur le plan privé, sexuel, etc. Et donc, tout ce plan se place sur la même valeur, il n'y a pas de jugement à mettre. Ça a une incidence sur le plan de l'école. Si l'individu est la valeur supérieure, ça veut dire que l'individu a le droit de constituer son propre savoir et d'être juge du savoir qu'on lui inculque. Et donc, il est en droit d'opposer un refus ou une acceptation aux institutions scolaires qui lui donnent un savoir. C'est la même chose pour les relations dans le monde du travail, etc. etc. On pourrait décliner toutes ces réalités-là. Pour prendre une formule que j'utilise dans ce livre et dont je suis assez satisfait, pardon, parce qu'elle fait l'image, jusqu'aux années 60, je dirais qu'on pensait que l'individu devait quelque chose à la société. À partir des années 60, on pense à l'inverse, que c'est la société qui doit quelque chose à l'individu. Et donc, cette révolution-là, on en est tous complices, parce qu'elle affecte toutes nos familles. Elle affecte toutes nos familles. Elle affecte toutes nos familles. Et vous voyez bien, d'ailleurs, dans l'éducation, dans la transmission de tout ce que nous essayons de passer, et ici nous sommes encore avec le public des éleveurs d'espérance, donc avec un public versaillais choisi qui s'attache précisément à défendre toutes ces valeurs, et vous voyez combien toutes les transformations de notre époque, est-ce qu'il y a une seule famille ici qui pourrait dire « non, nous, on a échappé à tout ». Ça n'est pas vrai. Toutes les transformations de l'époque, on est subi, on est dedans. Et c'est l'idée que je reprenais tout à l'heure, quand il y a une innovation, on est dans la nation, on est tous dans l'eau, et on devient l'eau nous-mêmes, si vous voulez. Et c'est ici où le travail culturel, le travail de réflexion, le travail d'information est tout à fait capital. C'est un travail collectif, c'est aussi un travail individuel. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du curé qui engueule les gens qui n'ont pas la messe, et qui lui dit à la messe, donc il engueule les gens qui n'ont pas la messe, mais il est évident qu'il y a une responsabilité propre de chaque chef de famille, de chaque mère de famille, de chaque membre d'une famille, qui est une société propre, qu'il a à considérer. Est-ce que je prends du temps pour écouter des conférences? Est-ce que je prends du temps pour écouter des bonnes vidéos? Est-ce que je prends du temps pour écouter des livres? C'est bien d'aller faire du ski au mois de février, c'est bien d'aller se dorer sur la plage au mois d'août, mais enfin, une vie cohérente dans une société qui est en voie de, qui se décompose, qui est malade, suppose aussi un travail qui est un travail personnel. Et il ne faut pas simplement se dire il y a une réaction qui vient, elle va venir, je l'attends. Non, nous sommes tous personnellement les agents de cette réaction. Et plus nous serons nombreux à faire ce travail-là sur nous-mêmes, plus ce travail collectif se fera. Alors, justement, en fait, on a été frappé, je dirais, il y a 2 ans, parce que on a cru que le nihilisme occidental, finalement, nous conduisait à tous nous ramollir et à vivre sans intérêt, mais finalement, on ne vivait pas si malheureux que ça, on jouissait sans entrave. Et puis, du jour au lendemain, est arrivé Charlie Hebdo, quelques mois après le Bataclan, et nous avons vu dans nos rues des gens être assassinés sauvagement par des véritables sauvages. Et on a compris, et je l'avais lu d'ailleurs dans le livre François Bellamy, que finalement notre déculturation progressive allait nous conduire à un ensauvagement accéléré de notre monde. Alors, n'avez-vous pas été visionnaire et justement, pouvez-vous nous expliquer comment, alors même qu'on se croyait sorti de l'histoire et qu'on était enfin heureux, donc, comment cette déculturation nous a heurté face justement à ce néant, à cette barbarie qui est venue refrapper à nos portes.
je ne prétends pas du tout avoir été visionnaire, en ce sens que, de fait, je ne peux pas faire comme Jean Sévilla et comparer les mérites de mes différents livres, parce que je n'en ai fait qu'un seul, tout petit livre. Je peux dire que c'est mon meilleur livre, mais enfin, ça ne me rend pas beaucoup plus commercialement intéressant. En tout cas, il est tout récent, et en quelque sorte, quand je l'ai publié, effectivement, j'avais eu l'occasion d'écrire que je m'inquiétais de voir venir quelque chose comme le choc des incultures, bien plus que le choc des cultures. Et de fait, je ne prétends pas avoir été visionnaire, parce que j'ai écrit ce livre en ayant déjà constaté l'étendue des dégâts. J'ai commencé à enseigner dans un lycée du Nord d'Amiens. 15 jours après ma première rentrée, un jeune a été tué à la porte du lycée à coups de tournevis. Parce qu'il avait franchi une ligne imaginaire qui sépare les deux grandes barres de la cité du Lut, qui est au nord, qui fait le nord d'Amiens et de Colombes, deux pans de la même cité qui sont distingués par une sorte de rivalité totalement dénuée de sens. Ce jeune de 15 ans, qui s'appelait Sami Tebi, que je ne connaissais pas du tout bien sûr, ce jeune de 15 ans avait commis la faute d'aller dans le territoire interdit, et il a été assassiné d'une façon absolument barbare, pour rien. Il n'y avait pas d'histoire d'argent, il n'y avait pas d'histoire d'amour, il n'y avait pas de grande passion, il n'y avait rien. De la folie, de la bêtise, de la stupidité absolue à la porte d'un lycée. Et il m'a semblé que c'était un signe des temps, que précisément, là où la culture n'est plus transmise, il ne faut pas du tout s'étonner de voir ressurgir l'autre de la culture, c'est-à-dire la barbarie. Et donc j'ai écrit ce petit livre en commençant par raconter l'histoire de Sami Tebi, et en parlant donc de cet ensauvagement du monde qui ne pouvait que se produire dans l'effondrement du savoir. Je pensais bien sûr, évidemment, en particulier à lui. Et de fait, les choses évidemment ont cessé de s'accélérer. Je crois qu'effectivement, le terrorisme contemporain vient confirmer ce diagnostic qu'encore une fois, je ne suis pas seul à poser. Si nous reprenons les choses au point où je les évoquais tout à l'heure, je crois que nous sommes par nature des êtres de médiation. Dire cela, c'est prendre conscience de l'extraordinaire fragilité de l'homme. Parce que c'est dire qu'en fait, ce qu'il y a de merveilleux et de mystérieux en nous, encore une fois, c'est que nous ne sommes vraiment nous-mêmes que par le chemin de la culture. Si personne ne nous avait donné les mots pour penser, nous n'aurions jamais commencé à penser. Quand nous étions petits, bien sûr, nous étions capables de penser. Nos parents n'ont pas créé en nous la faculté de penser. Sinon, ils l'auraient donné aussi à notre petit nounours et à la table du salon. Non. Nos parents n'ont pas produit en nous la faculté de penser, ils n'étaient pas des magiciens. Nous avions, par nature, la faculté de penser. Mais si nos parents ne nous avaient pas transmis les mots pour commencer à penser, nous n'aurions jamais commencé à penser. Et en quelque sorte, nous aurions été privés de la possibilité même de devenir vraiment humains. En ce sens, c'est toujours par la culture que l'on devient vraiment humain. Et la langue est la première forme de la culture. Alors, bien sûr, encore une fois, le fait de recevoir la culture nous rend libres, et la liberté est toujours chez les hommes capacité de faire le bien et capacité de faire le mal. Et par conséquent, les hommes les plus cultivés du monde sont capables de faire le mal, et les peuples les plus cultivés du monde sont capables de faire le mal. Et d'ailleurs, d'une façon souverainement barbare, parce qu'elle est plus sophistiquée, parce que justement plus savante. Les peuples les plus cultivés du monde sont capables d'être inhumains. La culture ne nous empêche pas toujours d'être inhumains, mais ce qui est sûr, c'est que l'inculture empêche toujours les hommes d'être complètement humains. Une étude est parue il y a de cela 3 semaines ou 1 mois, qui montre qu'entre un jeune qui grandit dans un collège favorisé de centre-ville et un jeune qui grandit aujourd'hui en France dans un collège défavorisé de banlieue, il y a une différence dans le nombre de mots du vocabulaire moyen qui est d'un facteur 3,4. Ça veut dire qu'un jeune de collège favorisé centre-ville a souvent 3 à 4 fois plus de mots dans son vocabulaire courant qu'un jeune qui grandit dans une banlieue défavorisée. Non pas parce que les jeunes de banlieue sont moins intelligents que les autres, ni moins capables d'apprendre, ni moins désireux d'apprendre, même je peux vraiment témoigner du contraire. Mais parce que c'est dans ces lieux-là que notre refus de la transmission a été poussé jusqu'au bout. Parce que dans les lieux favorisés, dans les centres-villes instruits, les familles ont fait le travail que l'école ne faisait plus toujours. Et de ce point de vue-là, même si nous avons été un peu durs en disant que notre responsabilité était collective, il est vrai qu'il faut rendre hommage à ces parents qui ont continué contre vents et marées de transmettre, dans un monde où justement transmettre était devenu un acte de résistance. Il y a encore des lieux où les enfants apprennent toujours, il y a encore des élèves qui réussissent en France. Mais notre système scolaire est devenu tellement inégalitaire, dans ce qu'il y a de plus essentiel, que certains enfants ne reçoivent pas les mots même pour s'exprimer. Alors quand vous n'avez plus les mots pour dire la violence que vous éprouvez, l'injustice que vous ressentez, quand vous n'avez plus les mots pour dire les sentiments qui vous traversent, ben il ne vous reste justement pour vous exprimer rien d'autre que la violence. Et ça ne va pas chercher plus loin, hein. La psychologie nous a appris, et nous savons très bien que quand nous n'arrivons pas à nommer ce que nous avons vécu, nous exprimons ce que nous n'arrivons pas à nommer par le chemin de la violence, soit contre nous-mêmes, soit contre les autres. Et dans le terrorisme islamiste aujourd'hui, il me semble qu'il y a quelque chose qui provient d'abord de cet échec collectif. Alors,
Alors en disant cela, je ne voudrais pas exonérer l'islam du travail qu'il doit faire sur les causes de la violence qui sont dans ses propres racines, assurément. Mais je crois malgré tout que, devant ce qui nous arrive, nous devons regarder en face notre propre faillite collective. Pourquoi ? Parce que on a souvent fait le lien entre le Bataclan et le 11 septembre 2001. Mais le 11 septembre, il s'est produit quelque chose de tout à fait différent. Le 11 septembre, les Américains ont été agressés de l'extérieur par des étrangers qui venaient sur leur sol porter la guerre. En ce qui nous concerne, ceux qui sont venus mettre la violence au cœur de Paris avaient un point commun, c'est qu'ils avaient fait toutes leurs études, pour la plupart d'entre eux, en France ou en Belgique, en tous les cas, dans nos sociétés occidentales. Ils avaient grandi ici. Et pour ceux qui étaient nés en France, qui avaient grandi en France, depuis Mohamed Merah à Toulouse, jusqu'aux terroristes du Bataclan, jusqu'à Amédi Coulibaly, qui est allé jusqu'au bac, enfin, ils avaient passé des centaines de milliers d'heures au total sur les bancs de nos écoles. Et il faut que nous soyons allés très loin dans la rupture avec l'héritage pour avoir produit un tel degré de désintégration, pour avoir engendré une telle haine de ce qu'est la France. Moi, je le vois très bien avec les élèves que j'ai pu croiser en terminale. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais entendu parler de Jeanne d'Arc. J'ai fait l'expérience à chaque fois, puisque pour travailler sur la justice, je donne toujours à travailler un texte du procès de Jeanne d'Arc. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Jeanne d'Arc, ou s'ils connaissent Jeanne d'Arc, c'est seulement grâce à Luc Besson. En revanche, ils ont tous entendu parler quatre fois de la colonisation, tous. Du racisme, de l'esclavage, ils ont tous appris à détester la France. Nous leur avons donné à haïr ce que nous sommes, comme Jean-Michel Apathy dit que pour construire notre avenir, il faudrait raser Versailles, avec une forme de violence dans l'expression, qui dit à quel point nous avons appris à détester notre pays. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas trop nous étonner, encore une fois, de voir ces jeunes se retourner contre nous avec toute la force de leur inculture absolue. Il y a eu dans l'histoire, et même dans l'histoire récente, un terrorisme savant. Le terrorisme d'extrême gauche, par exemple, le terrorisme des Brigades Rouges, le terrorisme anarchiste du début du XXe siècle, était un terrorisme de lettrés, un terrorisme d'intellectuels, un terrorisme de gens qui avaient tellement lu, tellement travaillé, qui étaient tellement pénétrés d'une idée qu'ils finissaient par accepter le projet de mourir et de tuer pour elle. Il y a eu un terrorisme très savant, mais le moins qu'on puisse dire, et même d'ailleurs dans l'islamisme, il y a eu un terrorisme très savant, et il y a d'ailleurs dans ceux qui inspirent aujourd'hui le terrorisme contemporain des gens qui sont de grands savants et de grands savants de l'islam. Mais ça n'est clairement pas le cas de ceux qui nous attaquent aujourd'hui, de ceux qui s'interposent entre les commanditaires et les récepteurs du message. Ceux qui commettent les attentats, les kamikazes d'aujourd'hui, sont d'abord les résultats de la crise absolue du savoir. Ils ne savent rien, y compris de l'islam d'ailleurs, il faut quand même le dire, vraiment. Ce ne sont pas de grands connaisseurs de l'islam, ce ne sont pas de grands connaisseurs du Coran, ce ne sont pas des jeunes qui ont lu, ce ne sont pas des jeunes qui pratiquent depuis longtemps une religion dont ils sont instruits. Souvent, leur formation est extraordinairement superficielle dans les choses de la religion. En revanche, ils sont d'autant plus manipulables, précisément, d'autant plus facilement gouvernables, qu'ils ont été laissés dans une forme d'inculture absolue, à distance de ce qu'ils pouvaient faire leur propre liberté politique. Et donc, il y a évidemment, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, quelque chose comme l'effet boomerang, comme le retour de notre propre faillite. Et encore une fois, pour tout enseignant qui a connu l'expérience de ces zones urbaines sensibles, il n'y a rien, fondamentalement, et c'est en cela que je ne prétends pas du tout être un visionnaire, il n'y a rien, malheureusement, qui soit, dans ce qui nous arrive, fondamentalement étonnant. Éventuellement, j'aurais aimé rebondir sur... pas rester sur l'islam en tant que tel, parce que ça dépend un peu plus, je dirais, sur l'état actuel de nos sociétés et objectivement de la violence qui y règne. Et cette violence, elle peut être physique, mais elle est aussi, je dirais, peut-être verbale, et notamment, elle s'exprime beaucoup à l'égard du monde politique. Je voudrais qu'on avance un peu pour ensuite terminer sur la dernière partie. Notamment, on considère que le politique ne tient pas ses engagements, et de fait, on va de renoncement en renoncement. Je pense en particulier à ce combat qui a beaucoup animé Versailles, le mariage pour tous. En 99, la droite était contre le Pax. En 2012, la droite était pour le Pax, mais contre le mariage homosexuel. Et en 2016, la droite est pour le mariage homosexuel, mais contre l'adoption. Et donc, chaque année, on voit une petite pierre supplémentaire à nos renoncements. Des renoncements qui sont aussi, je dirais, menés par le politique. Est-ce que ce n'est pas nos renoncements qui ont donné à l'islam aussi cette force, cette vigueur et si nous ne redonnons pas confiance à nos politiques, est-ce que, quelque part, nous ne laissons pas la voie libre à une religion, à des structures sociales très fortes, très viriles, qui évidemment prennent le pas? C'est une question très, très large et très, très riche. De fait, pour lui répondre, je voulais repartir de ce que disait Jean Sévillia à l'instant. Il s'est produit, dans cette rupture que nous tentons de cerner depuis tout à l'heure, un renversement crucial qui est que
Jusque-là, la société était faite de structures et de communautés auxquelles on appartenait, d'un sentiment d'appartenance, la communauté des communautés étant justement cette nation envers laquelle on avait plus de devoirs qu'elle n'avait de droits envers nous. Et soudainement, le paradigme s'inverse et on verse tous ensemble dans une forme d'individualisme qui nous fait regarder le progrès comme étant la conquête progressive de nouveaux droits pour l'individu, de nouveaux droits qui sont attachés à la liberté considérée comme la seule capacité d'autodétermination, la seule capacité, pourrait-on dire, d'indétermination offerte à l'individu. Pour le dire autrement, la liberté, ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, quand vous avez des élèves de terminale, c'est une grande chance parce que vous avez devant vous les meilleurs porte-parole de l'opinion commune, donc si vous voulez savoir ce que pense la doxa sur n'importe quel sujet, de leur poser une question et vous avez la réponse. Et quelque chose qui me frappe énormément, c'est que quand vous demandez à une classe de terminale, d'où qu'elle soit, comment on définit la liberté, tous les élèves répondent toujours que la liberté, ça consiste à faire ce que l'on veut, que la liberté, ça consiste à avoir le choix. Et c'est notre définition de la liberté. Et cette définition de la liberté, en fait, qui me paraît peut-être évidente, ou qui paraît tellement évidente à la société d'aujourd'hui, elle est en fait très particulière, elle est très singulière, elle est très étonnante et elle est très destructrice. Pourquoi ? Parce que si être libre, c'est avoir le choix, alors être libre suppose précisément de défaire tous les liens possibles, de défaire toutes les appartenances possibles. Être libre suppose d'être l'individu solitaire qui décide par lui-même sans que rien, jamais, ne puisse précéder son choix de ce qu'il désire faire maintenant. Il faut que rien ne puisse précéder son choix, et même lui-même, même sa propre volonté. Ne jamais, justement, s'engager. Ben, quelle est la meilleure façon pour toujours avoir le choix ? C'est de ne jamais faire un choix. Parce que si vous faites un choix, vous avez déjà choisi, c'est foutu, c'est plié. Pour le dire autrement, le héros de la société contemporaine, c'est Don Juan, vous voyez ? Don Juan veut pouvoir aimer toutes les femmes. Mais pour pouvoir aimer toutes les femmes, la seule condition nécessaire, c'est de ne jamais en aimer aucune. Parce que le jour où vous aimez une femme, vous avez fait un choix, précisément. Vous avez fait une différence. L'amour fait des différences. Et quand vous aimez une femme, vous ne pouvez pas dire à la femme que vous aimez, tu sais, je t'aime, mais je pourrais très bien en choisir une autre demain si je veux. Ça ne marche pas comme ça, bien sûr. D'où le fait que, précisément, le mariage, par exemple, soit devenu clairement le centre de nos attentions. Et ce qui est absolument incroyable, et tout le renversement était là, c'est que le mariage, qui est tout simplement, du point de vue du droit, le fait de contracter de nouveaux devoirs, de se donner à soi-même de nouveaux devoirs envers l'autre, le mariage n'est au fond rien que cela. Quand on va se marier, j'ai la grande joie avec mes collègues de célébrer des mariages civils, quand on va se marier à la mairie, on fait un choix très étonnant, on vient choisir d'assumer devant l'État civil les droits, les devoirs, pardon, précisément, inversion tragique, les devoirs d'époux et d'épouse, les devoirs de parents et d'éducateurs. On se donne de nouveaux devoirs. Quelle chose incroyable que le mariage ait lui-même fini par être revendiqué comme un droit. Ça n'a tout simplement pas de sens. Ça n'a que le sens de cette évolution qui fait que le progrès a changé de sens totalement. Pour le dire autrement, l'individu que nous voudrions devenir tous, c'est l'individu consommateur de la société de consommation. Nous voudrions être les clients du supermarché qui rentrent dans le supermarché en voulant avoir le choix. Je veux être libre, je veux avoir le choix. Avoir le plus de choix possible. C'est insupportable que quelque chose précède mon choix. Je veux choisir, si je veux choisir d'aimer un homme si je suis un homme, je veux avoir le droit. Si je veux choisir d'aimer une femme si je suis une femme, je veux avoir le droit. Si je veux choisir de pouvoir avoir des enfants ou de pouvoir ne pas en avoir. Et il faut que la science vienne à mon secours pour que ma vie ressemble exactement à ce que j'aurais choisi. Et si je suis un homme, il n'y a aucune raison que je supporte indéfiniment le fait d'être un homme parce que je suis né dans un corps masculin. Donc je dois pouvoir avoir le choix entre être un homme ou être une femme. Et d'ailleurs, c'est quand même un choix relativement limité, vous ne trouvez pas être un homme ou être une femme. Donc maintenant, le grand débat dans les groupes LGBT, c'est qu'il faut ajouter absolument LGBTQI, lesbien, gay, bi, trans, queer et indéterminé ou intersexe. Parce que quand même, il faut un troisième choix, une troisième voix, sinon c'est vraiment déprimant. Donc il faut, vous voyez, maintenant quand vous inscrivez sur Facebook, vous avez la liste des 72 possibilités quant à votre genre, à votre attitude genrée, à votre relation aux autres. Alors pourquoi est-ce que cette réflexion est décisive pour éclairer la question que vous me posiez ? Vous avez peut-être l'impression que j'ai complètement quitté le sujet, mais pas du tout, en fait. On est au cœur du problème. Pourquoi ? Parce que cette vision du progrès a été adoptée par tous les camps politiques. Et elle a été adoptée sous la pression de la gauche qui a abandonné de façon tout à fait étonnante sa tradition collectiviste, sa tradition communautaire au nom de l'individualisme. Et là, c'est la gauche aujourd'hui qui milite pour ce qui ressemble en fait à l'accomplissement du projet ultralibéral, le plus de droits possible pour chaque individu, séparé de tout attachement possible à toute communauté pensable.
cette idée-là du progrès, en fait, ne correspond en aucun cas à une liberté authentique, ni à l'accomplissement réel d'un projet dans nos existences. Cette idée-là du progrès, elle ne fait rêver personne. Quand vous voyez que les grands combats de la gauche, c'est aujourd'hui de faire ouvrir le plus grand nombre possible de magasins le dimanche, vous nous dites qu'en fait, le progrès social pour la gauche aujourd'hui, c'est le citoyen qui pousse son caddie dans les couloirs d'un supermarché, même pendant les jours fériés. Tout ça n'a littéralement aucun relief, tout ça ne produit aucune attirance. Le drame, c'est que nous avons enfermé l'individu dans la solitude du consommateur et que personne ne rêve de la solitude du consommateur. Nous avons créé un monde parfaitement horizontal, dans lequel jamais rien ne se présente à nous qui puisse nous précéder, dans lequel jamais rien ne se présente à nous qui puisse nous dépasser. Et ce monde-là ne fait rêver personne. Et surtout, il ne fait pas rêver les plus jeunes d'entre nous, bien sûr. Quand on a 17 ans, on ne cherche pas une raison on ne rêve pas fondamentalement de pousser son caddie dans les couloirs d'un supermarché tous les dimanches que Dieu fait. Quand on a 17 ans, on ne cherche pas juste une raison de bien vivre, une façon de bien vivre, une façon de gagner sa vie. Quand on a 17 ans, on a tous eu 17 ans un jour, on cherche une raison qui vaille la peine de donner sa vie, bien sûr. Et c'est ce que nous n'avons pas su offrir. Et de ce point de vue-là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. La question est difficile pour les chrétiens, parce que la question touche à ce que le chrétien doit vivre dans son engagement de foi, mais qui ici n'est pas du tout ce dont nous pourrions parler. La question touche aussi à ce que, comme Français, nous savons offrir de transcendance encore à ceux qui nous suivront. Vous voyez, encore une fois, je crois qu'il s'est passé quelque chose de très important dans ce cri implicite de M. Apathy. Raser Versailles. Le mot raser est extraordinaire, d'ailleurs. Il faut que rien ne dépasse. Il faut que rien ne s'élève. Que rien, jamais, ne nous dépasse. Et ce monde où on a tout rasé, ce monde où tout est à bas, ce monde où tout est ras, c'est un monde qui fait pitié, c'est un monde qui nous dégoûte. Et c'est un monde qui dégoûte les jeunes qui grandissent parmi nous. Et c'est ce qui fait que des jeunes français qui n'ont jamais connu ni de près ni de loin l'islam par leur tradition familiale tombent dans l'islamisme radical parce que pour la première fois de leur vie, l'islamisme leur propose une raison de donner leur vie. C'est aussi simple que cela et pourtant c'est ce qui se passe. Nous n'avons jamais su leur proposer quelque chose qui les dépasse. Nous n'avons jamais su leur proposer quelque chose qui soit plus grand qu'eux. Quelque chose qui les élève. Or, nous savons très bien que c'est le principal besoin de l'homme. Je crois qu'il y a un livre qu'on devrait tous relire aujourd'hui parce que c'est le livre qui éclaire le mieux la décisive aspiration que nous devons recréer dans le monde contemporain. Ce livre, c'est Citadelle de Saint-Exupéry. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais Citadelle est une forme de méditation angoissée de Saint-Exupéry qui répond à ce texte fabuleux qui est la lettre au général. C'est la dernière lettre que Saint-Exupéry a écrite et qu'on a retrouvée dans ses papiers après sa mort, adressée à un général dont on ne connaît pas encore avec précision, encore aujourd'hui, le nom. Dans cette lettre, Saint-Exupéry dit « La seule question qui compte maintenant, c'est comment faire pour parler aux hommes ? Que faut-il dire aux hommes ? On ne peut pas vivre de publicité et de frigidaire, dit Saint-Exupéry. Ça ne fait rêver personne. Et moi qui ne suis pas chrétien, dit Saint-Exupéry, je pense qu'il est temps de faire pleuvoir à nouveau sur les hommes quelque chose comme le chant grégorien. » Lisez cette lettre généraliste, elle est absolument magnifique, et si elle vous en donne envie, lisez Citadelle. Tout le défi est là pour nous encore aujourd'hui. Les jeunes que j'ai rencontrés dans ces quartiers défavorisés, ils cherchent à croire en quelque chose. Et c'est sans doute le besoin le plus essentiel à l'homme que de se rencontrer dans quelque chose qui le dépasse. Parce que, comme le dit le mot magnifique de Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Et c'est toujours dans quelque chose de plus grand que nous, encore une fois, que nous pouvons nous rencontrer nous-mêmes et que nous pouvons nous reconnaître nous-mêmes. C'est aussi, évidemment, ce qui se joue dans la crise de la transmission de la culture. C'est toujours dans ce qui nous précède, et c'est toujours la même chose, c'est toujours dans ce qui nous précède que nous pouvons nous rencontrer nous-mêmes et nous reconnaître nous-mêmes. Alors, la question qui est posée est simple, c'est est-ce que nous saurons à nouveau partager à ceux qui sont autour de nous quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse aussi. Et là, de ce point de vue-là, je rejoins ce que vous disiez, évidemment, il y aurait une forme de repli qui serait catastrophique. L'héritage que nous avons reçu, et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous l'avons reçu, parce que nous le partageons. L'héritage que nous avons reçu, il ne nous appartient pas. La parole, ce n'est pas nous qui la portons, c'est elle qui nous porte, dit Bernanos. Et on pourrait dire que cet héritage que nous avons reçu, nous en sommes les héritiers, mais il nous dépasse totalement. La question est de savoir si cet héritage que nous portons, cet héritage qui nous porte, nous saurons le porter aux autres, et si nous saurons à nouveau redonner au monde le relief dont il manque terriblement, ce que ça va faire, malheureusement, les stratèges de l'État islamique, et ce que nous sommes aujourd'hui, pour nous-mêmes, incapables de faire, nous pour qui, collectivement, le progrès est devenu l'avènement définitif du monde de l'ennui absolu, celui du supermarché, où l'individu consommateur décide de ne rien choisir, décide de ne pas se marier, décide de ne pas s'engager, et que quand il s'est marié, d'ailleurs, parce qu'il a fait l'erreur absolue de passer de Tinder au mariage civil, il lui reste encore Glidden, vous voyez, parce qu'on peut toujours avoir le choix de rompre avec son boulet. Ce monde-là, il est terrifiant.
Le monde où on prône l'infidélité sur les panneaux de publicité, c'est un monde qui ne fait rêver personne, encore une fois. Et c'est le monde qui ouvre grand la porte aux sirènes de l'islamisme. Pour ma part, je ne connais pas très bien l'islam, je le confesse. Je ne connais pas très bien la question de l'islamisme contemporain. Ce que je sais, c'est que nous avons ouvert la voie à la promesse de l'islamisme parce qu'ils sont aujourd'hui les seuls à proposer aux jeunes ce dont ils ont le plus besoin, quelque chose qui leur donne l'occasion de se donner à nouveau. Pour clore cette conversation, et puis on laissera la parole à la salle, j'aimerais relire un extrait d'une citation de Simone Veil que vous reprenez dans votre dernier ouvrage en Sibylla. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y a pas de plus vital que le passé. Donc, en conclusion de cette conférence, j'aimerais d'abord vous demander à tous les deux comment, selon vous, recréer les conditions de la transmission de notre héritage et surtout, comment faire aimer l'histoire de France. Je me tourne d'abord vers vous, Jean-Sébilia. Et puis, je vous laisserai répondre d'ailleurs de façon plus large, puisque je sais que vous allez largement déborder. Mais ça s'adresse à vous autant qu'à Jean-François Gallier. Et pour clore cette conclusion que vous pourriez faire, diriez-vous à un jeune homme de 20 ans qu'il y a encore aujourd'hui des raisons d'espérer ? Comment faire aimer notre histoire, notre héritage, notre culture, notre civilisation, tout simplement, en la faisant connaître et en faisant ressortir sa complexité. Sa complexité, ça veut dire que toute culture a des imperfections, mais elle a ses grandeurs. Et les grandeurs, la force de notre culture, de notre civilisation occidentale, dont l'anthropologie est chrétienne et qui peut être partagée y compris par des non-croyants, donc, c'est cette conviction que l'homme a une aventure et que l'homme peut être maître de son aventure collective, à savoir que par rapport à la civilisation où on vit dans une sorte d'éternel retour, où le progrès, ou du moins, n'est pas possible parce qu'il n'y a aucun progrès, notre civilisation croit que l'homme a une capacité de se dépasser, de dépasser lui-même, non pas au sens du progrès qu'un grand pays illusoire, qui était une des grandes illusions nées avec le monde des Lumières, qui malheureusement s'est fracassé au XXe siècle entre les deux guerres mondiales, Auschwitz, le Goulag et Hiroshima, mais dans cette idée que l'homme peut faire plus, peut faire mieux, qu'il peut monter. Il peut monter. Il peut monter, mais il peut monter sur des objectifs. Vous avez cité Citadelle, sur François Xavier. Il y a une. Citadelle, c'est un livre pour les gens qui aiment les petites citations, peut-être sur les petits carnets, ce qu'on fait souvent quand on est jeune. Il faut que j'ai commencé à faire ça à 15 ou 16 ans. Et j'ai jamais complètement arrêté. Il y a une belle phrase de Citadelle, c'est « Donne-leur à construire une tour, donnez-moi la suite », parce que justement, je vous dis ça, puis au moment où, si vous ne rappelez pas exactement, non, mais, enfin, cette idée qu'il faut... Quelqu'un a la citation exacte en tête ? Non, parce que c'est l'idée « Donne-leur à construire une tour, ils feront de grandes choses. » Voilà. Il faut avoir des objectifs qui sont concrets. Or, ces objectifs qui sont concrets, moi je crois qu'il faut affirmer l'idée que notre civilisation n'est pas finie, non seulement qu'elle n'est pas finie, mais qu'elle peut ne faire que commencer. Je crois que, personnellement, que la France, l'histoire de France, est quelque chose d'immense, que le peuple français est un très vieux peuple, la nation française est une des plus vieilles nations du monde. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, parce qu'elle est fatiguée, qu'elle est finie. Ce n'est pas vrai. Les peuples ont une capacité de rebond, et la France, dans toute son histoire, à travers toute son histoire, a prouvé qu'elle a toujours d'étonnantes capacités de rebond. Si vous regardez l'histoire de France avant Jeanne d'Arc, au moment du pire de la guerre de Cent Ans, on a l'impression que c'est la fin du monde. Si vous regardez l'état de la France à la fin des moments de guerre de religion, c'est la fin du monde. Si vous regardez l'état de la France pendant la Révolution française, c'est la fin du monde. Si vous prenez l'état de la France au moment de la défaite de juin 40, c'est la fin du monde. Et à chaque fois, par une somme de miraculeux efforts,
peut-être des coups de poule de la Providence, hein, je le crois très volontiers, notre pays est reparti de l'avant. Donc, je vous en conjure, chers amis, ce soir, ne désespérez jamais de la France, ne désespérez de la France, parce que c'est une grande, c'est un grand pays. Non pas que les Français soient plus grands que d'autres, mais encore qu'on connaît Pékin qui disait « sans ces Français, dit Dieu enfin, », vous savez, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécifique à l'histoire de France, mais parce qu'il y a, quelque chose de très singulier, et puis il y a, pour ceux qui sont chrétiens, et je pense que dans cette assemblée ce soir, ils sont extrêmement nombreux finalement, il y a toute notre histoire chrétienne qui n'est pas rien. Moi je crois beaucoup à l'intercession des saints, il faut quand même savoir que la France est allée à l'Église, le christianisme, des myriades de saints et de très grands saints. Il ne faut pas les oublier. Ils ont une présence, il y a une présence mystérieuse, surnaturelle, mystique, les grands saints. Ils se sont des intercesseurs par définition à l'esprit. Et je pense qu'il faut leur tendre la main. Ils attendent que nous leur tendons la main. Il faut leur tendre la main, parce que si on ne leur demande rien, ils ne nous donneront rien. Pensez à eux chaque jour, chaque matin et chaque soir. Avec l'aide des saints de France, nous pouvons tout faire repartir, évidemment, avec l'aide de Dieu, c'est ma conviction. Alors, pour ma part, je dirais que, peut-être pour apporter une toute petite inflexion à ce qui vient d'être dit ici, à l'instant par Jean-Sylvia, je pense malheureusement que le désespoir a quelque chose de rationnel. Pour ce qui me concerne, je crois que nous n'avons absolument aucune raison d'être optimistes. Attendez, je vais expliquer. Et c'est précisément pour cette raison-là que, en un sens, le temps est bon pour l'espérance. C'est pas quand vous avez toutes les raisons de penser que ça va aller mieux que vous avez besoin d'espérance. C'est pas quand vous êtes en bonne santé que vous avez besoin d'espérance, c'est quand vous êtes malade que vous avez besoin d'espérance. C'est pas quand votre situation ne cesse de s'améliorer que vous avez besoin d'espérer, c'est quand au contraire elle donne le sentiment de se dégrader sans cesse que vous avez besoin d'espérer. En ce moment, nous n'avons aucune raison d'être optimistes, et nous avons sans doute, de ce point de vue-là, et pour cette raison, aujourd'hui, la responsabilité d'espérer. Il y a une différence majeure entre l'optimisme et l'espérance, majeure, et on ferait une très grande erreur en confondant l'un et l'autre. L'optimisme, si vous voulez, c'est la vertu propre de François Hollande. Ça consiste à répéter tout le temps que ça va mieux, en se disant que ça va bien finir par être vrai. Et l'optimisme ne produit rien, l'optimisme ne change rien, comme on a pu le constater d'ailleurs. L'optimisme ne transforme rien à la réalité qu'il tente de décrire avec un parti pris béat. On pourrait dire que l'optimisme, en reprenant le mot magnifique de Bernanos, vous alliez dire le mot de Bernanos. Le mot de Bernanos dans les essais écrits de combat, hein, mais non pas dans les essais historiques de combat. En reprenant le mot magnifique de Bernanos dans les essais écrits de combat, l'optimisme est par excellence la vertu du contribuable. Quand le fisc a dépouillé le contribuable optimiste même de sa chemise, il s'abonne à une revue nudiste et il déclare qu'il ne sait jamais mieux porter. En un sens, on peut poursuivre en disant, avec Bernanos aussi, que le pessimisme est tout aussi absurde. L'optimisme et le pessimisme, dit Bernanos, consistent à ne voir dans la réalité que ce qu'on a choisi de regarder. Et on peut dire que l'optimiste est un imbécile heureux et le pessimiste est un imbécile malheureux. Mais dans les deux cas, ni l'optimisme ni le pessimisme ne transforment rien au monde. Et le plus grand optimiste du monde, dit Bernanos, si il se trouve placé dans le chantier d'une mitrailleuse, ce qui aujourd'hui peut arriver à tout le monde, est sûr d'en ressortir trouvé comme une passoire. Bref, l'espérance n'a rien à voir avec l'optimisme, d'abord parce que, précisément, elle n'intervient que quand elle n'a pas de raison suffisante pour se fonder, d'une part, et d'autre part parce que l'espérance est une vertu en ce sens qu'elle transforme le monde. L'espérance transforme le monde parce qu'elle transforme notre action. L'espérance consiste à regarder au milieu même de la nuit la situation que l'on vit comme si le jour était certain. C'est le mot absolument magnifique du pasteur Dietrich Bonhoeffer en camp de concentration, condamné à mort, à qui on demande, avant d'être exécuté en 1942, d'envoyer un dernier mot à sa famille. On lui dit, on transmet un dernier mot à votre famille. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais dit en 1942, je suis en camp de concentration et on va m'exécuter, on dit, envoyer un dernier mot à votre épouse. J'aurais dû envoyer quelque chose de parfaitement niais, du type, je t'aime beaucoup, enfin... Dietrich Bonhoeffer envoie un mot, et le seul mot qu'il envoie, c'est « la victoire est certaine ». C'est ça qu'on appelle l'espérance. En 1942, en camp de concentration, au moment même de mourir en sachant que la victoire est certaine, mourir en donnant sa vie comme si la victoire
était certaine. Alors même qu'on n'a, en 1942, aucune raison de le penser. Aucune raison de le penser. Et même que dans sa propre vie, on n'a aucune raison de croire que ça va aller mieux bientôt. Et voilà ce que c'est que l'espérance. Et en ce sens, je crois que l'espérance est féconde parce qu'elle transforme notre propre action. L'espérance consiste, quand on est au bout de la nuit, à croire qu'on va trouver l'aurore. C'est ce que dit encore Bernanos. L'espérance est une vertu, et en ce sens, l'espérance est un combat. Et je rejoins pour le coup entièrement ce que disait Jean Sévilla. Dans la fatalité, dans le pessimisme, dans le défaitisme, il y a toujours quelque chose comme une grande facilité. Dans la fatalité qui consiste à désigner des ennemis qui ont tout pouvoir et qui dirigent le monde, et tant pis, et c'est foutu, il y a une grande facilité intellectuelle. Il y a une grande facilité morale. L'espérance est une vertu, l'espérance se conquiert, et Bernanos termine avec ce mot magnifique, que l'espérance est la plus grande et difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Alors je crois que nous avons, précisément de ce point de vue-là, nous avons à vivre profondément l'espérance dans le temps qui est le nôtre. Non pas d'ailleurs parce que c'est une période assez curieuse, au fond tout ne va pas si mal que ça, si on regarde bien, vous avez cité des périodes de l'histoire de France qui à bien des égards étaient évidemment bien plus noires. Fondamentalement notre pays aujourd'hui ne va pas si mal que cela. Mais ce qui est précisément tragique, c'est l'absence d'espérance, c'est l'absence de transcendance, c'est l'absence d'aspiration. Et donc encore une fois, c'est le moment pour l'espérance. Et si je devais dire à un jeune de 20 ans, presque à mon contemporain, je serais bien en peine de lui donner des conseils, il serait plus fraternel que paternel, bien sûr, je dirais à un jeune de 20 ans que précisément, toute l'espérance du monde de demain dépend de sa propre parole. Ce dont je peux témoigner ici, parce que j'ai eu la chance de le vivre comme enseignant, c'est que là où nous savons porter quelque chose qui nous dépasse encore, alors nous rencontrons la soif infinie des jeunes. Là où nous savons témoigner de ce qui nous dépasse encore, alors nous rencontrons partout, je le crois profondément, la soif infinie de la société contemporaine. Nous l'avons vécu tous les deux, moi, bien plus modestement que vous, mais ne serait-ce qu'en écrivant. Et c'est une chose incroyable de voir à quel point un livre peut encore susciter d'émotions, de réponses, de transformations dont nous ne sommes que les témoins très modestes et émerveillés. Mais quand une parole est portée qui dépasse celui qui parle, alors elle rencontre encore la soif de ceux qui écoutent et de ceux qui attendent d'entendre quelque chose qui puisse leur parler. Et je crois que c'est ça qui peut fonder notre espérance pour le coup. Si vous cherchez des bonnes raisons de penser que ça va aller mieux demain, vous allez avoir du mal à en trouver, ça c'est sûr. Parce que où que votre regard se pose, l'omniprésence de la crise s'impose comme une évidence, partout. Regardez l'économie, c'est la crise, l'emploi, c'est la crise, la fiscalité, c'est la crise, la politique, c'est la crise, l'éducation, c'est la crise, la nature même est en crise, tout est en crise, partout. Trouvez-moi quelque chose qui va bien, et on en parle à François Hollande, hein, mais parce que ça lui donnera au moins une raison de répéter que ça va mieux. Moi, je crois qu'il n'y a aucune raison de dire que ça va mieux aujourd'hui que ça n'allait, pour le coup, hier. Mais, en revanche, c'est précisément parce que nous n'avons pas assez de raisons pour penser que ça ira mieux demain que nous sommes voués, que nous sommes poussés, que nous sommes obligés, que nous sommes, j'allais dire, condamnés à mener ce combat intérieur que l'on appelle l'espérance. Et encore une fois, ce jeune de 20 ans, d'une façon vraiment très concrète, je lui dirais que sa parole est ce dans quoi le monde de demain peut changer. C'est toujours une parole qui change le monde. C'est toujours une parole qui sauve le monde, pour faire le lien avec ce que disait à l'instant Jean Sévilla. Et pas notre propre parole. Mais cette parole, pour être portée à d'autres que nous, il faudra bien qu'elle passe par des bouches, il faudra bien qu'elle passe par des voix. Et il n'y a pas d'autres voix que les nôtres. En ce sens, c'est une période fabuleuse parce que chacun d'entre nous, avec son âge d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes de 20 ans qui sont appelés à agir, puisque la crise est essentiellement une crise de la transmission, les grands-parents qui sont ici ont un rôle décisif à jouer, les parents qui sont ici ont un rôle décisif à jouer, et les jeunes qui sont ici, le premier rôle qu'ils ont à jouer, c'est celui de soigner leur propre parole de demain. Apprenez, lisez, cultivez-vous, travaillez pour pouvoir demain faire porter partout dans le monde autour de vous une parole qui soit informée, qui soit formée, qui soit nourrie, une parole qui puisse nourrir à votre tour d'autres que vous. Et de fait, je crois que nous allons changer le monde, bien sûr. D'ailleurs, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix, en fait.